Ok, c'est Sinox, donc avec Patrice Carteron. Yo. Donc Patrice, tu m'as appelé de toute urgence, en plein entraînement. Ah, j'ai pas eu le choix. Donc ce matin, j'ai entendu que j'avais fait une vidéo apparemment fake. Peut-être que c'est faux et tout ça. Mais arrêtez de pomper le dard à vos idoles, mes frères. N'idolâtrez que Dieu, c'est la première règle. N'idolâtre que Dieu. Ok. Il y a quelques temps, certaines personnes ont essayé de me faire passer pour un pseudo qui avait peur de tel ou tel. Moi, je voulais pas parler de ces boxeurs. Par exemple, je voulais pas parler d'eux tant que j'avais pas signé deux contrats. Ou quoi que ce soit, stipulant que je boxe à telle date. Alors, on faisait des rumeurs. On avait dit à l'époque que j'avais peur de tel, de tel, de tel. Mais la peur fait partie de notre sport. Simplement, il faut la gérer. Le stress, il faut le stress. Attends, quand tu dis la peur, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu as refusé un combat. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, la peur, j'ai dit toujours, c'est la peur en général. Ça fait partie de notre sport, c'est le stress. C'est ça s'appelle le stress. On en a besoin. Tu sais, comme j'ai dit à chaque fois, le funambule, s'il traverse 100 mètres sans faire attention, qu'il n'a pas peur, il va tomber. Nous, on a besoin de ce stress. C'est ce qui nous fait entraîner, faire des trucs, accélérer, etc. On a besoin de ça. Mais cela ne nous empêche pas d'aller sur le ring. On le sait, ça fait partie de notre vie. C'est comme ça. Même les chanteurs, j'ai vu un jour un chanteur, il tremblait dans le truc avant d'y aller. Et pourtant, ça ne se voit pas sur le truc. Sur la scène. Voilà, sur la scène. Donc après, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est pour les gogoles qui, eux, par contre, sont des peureux dans la vie en général, etc., etc. Donc, samedi, je t'ai envoyé une vidéo pour te dire, voilà, pour te donner un peu de mes nouvelles. Vendredi, et puis samedi, jour de la hit. C'est vrai qu'on sait qu'il y a le fameux combat le 16 octobre. Mais... Et comme on n'avait plus du tout de vue de vidéo de toi. Mais non, mais j'ai pas le temps, je m'entraîne. Voilà, c'est ça aussi. Pas, hein. Je n'ai pas le temps, moi, je suis pas un môme. Pendant tout l'été, début septembre, il n'y avait pas de nouvelles de toi. Exactement, entraînement, j'ai pas le temps, je peux pas, c'est pas comme ça, c'est notre quotidien, c'est l'entraînement, c'est pas autre chose. On n'invente rien. Tu t'entraînes pas, tu feras rien. Et là, le week-end dernier, t'as réapparu. Voilà. Et là, on a vu une vidéo où justement l'entraînement. Voilà, que des gens qui me filmaient, qui ont montré un petit peu mon quotidien. Le lendemain, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a sollicité en m'envoyant un texto, je te montre, je vais chercher, tu vois, sur mon phone à la toxico, tu vas, est-ce que tu peux faire un gros plan sur la caméra, sur mon truc. Bien sûr. Alors, je vais chercher un certain Kadir et m'a envoyé, il y a l'avocat de Baderari qui veut te parler. Je dis, mais nique sa mère, son avocat, je m'en bats les couilles, moi. Dis, non, mais justement, c'est qui ce mec-là qui t'envoie le texto? C'est Kader, il s'appelle Kader. Il me dit, nique sa mère, j'en ai rien à foutre de ce mec-là. Il me dit, non, parce qu'ils veulent te parler. Finalement, le lendemain, je cherche en même temps que je te parle, le lendemain, il m'appelle le soir, il me fait, ouais, ils ont une proposition à te faire, Il y a l'entraîneur de Baderari, il veut te parler. Je dis, d'accord. Alors, j'écoute mon répondeur. 5-3. Alors voilà, donc j'ai reçu ce message de cette personne. Donc il m'a dit, il m'a appelé. Et déjà, comment il a eu ton numéro en fait? Parce que c'est celui que j'appellerai. J'en ai marre de dire son nom parce que j'appelle le voleur. Donc le voleur, pourquoi c'est un voleur déjà? Bah, parce que en fait, quand j'ai boxé à l'époque Bob Sapp, cet organisateur m'avait. Déjà, il m'avait eu pour trois, il m'avait carotté, il avait laissé mes hommes de coin comme des clochards, tu vois. En fait, ils n'avaient même pas eu personne pour les... ils n'avaient même pas eu de taxi pour rentrer chez eux. Donc, ils ont dû reprendre un billet de train, c'est moi qui l'ai acheté, pour rentrer chez eux, tu vois, 93 euros. J'ai dit, il fallait me les rembourser, ils ne voulaient pas les rembourser. Je dis, c'est pas grave, garde-les, mais souviens-toi que jamais je boxerai pour toi. Donc, deux ans après... On organise un événement, il m'appelle. Il devait faire boxer la vedette française. Enfin, la vedette française d'une certaine France. D'accord? D'une certaine France, la France que j'aime pas. Celle raciste et compagnie. Et donc ils ont leur compagnie, ils ont voulu le faire boxer, mais il a refusé. Donc après, ils ont appelé tonton Patrice le bouche-trou. Sauf que moi, quand il m'appelle, je dis, pourquoi tu m'appelles? Moi, je suis pas ton pote, moi. Appelle ton père, appelle ton pote. Ouais, mais non, mais Nanani, c'est une chance. J'en ai rien à foutre. Tu crois que lui, il est plus populaire que moi? Parce qu'il est populaire.
faites donc ce que vous avez à faire. J'ai boxé, j'ai boxé à guichet fermé, moi, à Lyon. Non, mais c'est pas pareil. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est moi, c'est pas pareil. C'est peut-être par hasard, c'est peut-être parce que... On peut citer son nom quand même à cette personne, c'est... Non. Tu coupes. Tu mets pas le nom. Pourquoi je donne pas de nom? Parce que chaque fois, je fais de la pub aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Je fais de la pub aux gens. On lui arrange des combats truqués. Voilà, c'est moi qui dis le nom, donc... Non, mais non. Tu sais pourquoi? Parce que à un moment donné, ces gens-là... Pour que les gens sachent un peu le niveau. Non, mais faut voir que... Non, parce que j'ai fini à 43 ans, ils font des combats truqués. La dernière fois, ils font un combat... Sur équipe de 21 ? Ouais, des combats truqués. Il n'y a que les fanatiques qui peuvent dire... C'est comme là, c'est du fanatisme. J'ai pas les moyens de trouver un imitateur de voix pour faire un montage vidéo avec la voix d'entrer dans un truc, un tel ou un tel. Ok ? Tu vois bien mon phone, c'est pas un phone de blindé, hein. Moi j'ai pas le dernier Samsung Galaxy 44. Ou le iPhone 6 à 1000 euros. Voilà, j'ai ni l'iPhone 6 à 2000 euros, d'accord. Donc, mais chacun, je pourrais peut-être, hein, mais je suis pas un mytho, moi. Tu sais, je fais pas de voiture en location, je suis pas un mytho. Et donc... Cette fameuse personne te rappelle pour te, entre guillemets, bouche-trou pour combattre. Donc tu comprends bien que je lui dis, comme dirait mon directeur de publication façon Dieu donné, tu vas te faire enculer. Hein, va trouver quelqu'un d'autre. Donc il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Finalement, leur vedette qui devait ramener je sais pas combien de personnes, la moitié de la salle était vide. Et puis finalement, d'ailleurs personne n'en a parlé de cet événement. C'est marrant, tu vois, on n'en parle qu'à travers moi. Mais on n'en parle pas parce qu'ils étaient pourquoi ? Ils étaient aigris, parce qu'ils n'avaient pas réussi leur coup et que les places, ils les ont vendues sur Groupon. Groupon ! Groupon, c'est le truc où tu achètes les cassettes, où tu revends les places à 4 fois moins cher. Ça veut dire que quand tu vends des places sur Groupon, mon frère, c'est que ton événement n'a pas marché. Donc tu avais ramené toutes tes pseudo-vedettes, Internet, Facebook, mes couilles qui pètent, nanana, qui ont 3 millions de trucs. Mais pourtant, ils n'étaient pas 3 millions dans la salle. Alors c'est pour ça que j'ai dit toujours, c'est comme tous ces gens qui, les militantismes de Facebook, ça n'a jamais rapporté quoi que ce soit. Tu vois, ça n'a apporté quoi que ce soit. Donc je laisse ça pour m'amuser, mais je sais que ça n'apporte rien, ça ne remplit pas les salles, c'est pas la vérité. Tu vois, mais bon, les gens sont tellement gogol. C'est comme les vues sur YouTube, quoi. Ouais, les vues sur YouTube, ça veut, tu crois pas que tu vas te faire un million, si tu leur demandes un euro à chacun, tu crois pas que tu auras autant de monde. Non, c'est du baratin, tu vois. C'est un plus, mais c'est pas plus que ça, quoi. Parce que c'est gratuit, c'est tout. Mais il n'y a personne qui veut mettre un euro pour vous, à la preuve. Hein, soi-disant, vous avez fait si, la salle n'était pas remplie. Vous avez dû faire des plans serrés de la salle. Vous ne me la faites pas à moi, je suis organisateur. J'organise des événements, je sais quand ça marche et je sais quand ça ne marche pas. Vous n'allez pas me la faire à moi, d'accord. Donc, sur ce, ils avaient essayé de me faire une pub, il a peur, il a si, la salle, la salle. Moi, j'ai rien dit. Ah, parce qu'ils t'avaient demandé de combattre contre... Voilà, leur truc, voilà. Maintenant, ils m'avaient dit de combattre, je me dis. Mais contre qui ? Bah, contre la superstar, là. C'est lui que je vais combattre, là, cette fois-ci. D'accord. Tu vois ? Et donc, là, maintenant, moi, je m'en foutais, tu vois, on tape. Tu sais, moi, ça, c'est mon quotidien, tu sais, moi, je suis le mal aimé. En fait, t'as pas été respecté au niveau financier, et même, il y a eu un historique. Bah, bien sûr, un historique qui fait que je n'ai hors de question de boxer pour ce mec-là. Donc, aujourd'hui, t'expliques que c'est pour ça que t'as refusé. Bah, bien sûr, tout à fait. Mais que, par contre... Et que ça aurait été contre n'importe qui, t'aurais refusé. Bah oui, que n'importe qui. D'ailleurs, il me recontacte tout le temps. Pour te solliciter afin de... solliciter, boxer pour d'autres événements, etc. Je lui ai toujours dit d'aller se faire enculer. Poliment, mais va te faire enculer. Donc d'ailleurs, tiens, regarde, il m'a laissé un message là. Alors, il m'a appelé là, sur son téléphone. Donc je vais mettre le haut-parleur. Hein. Ça se fait pas parce que maintenant, on est devenu des trucs. Il doit être fâché parce que j'ai mis la vidéo, tu sais, que j'ai mis hier soir. Il doit être fâché. Donc là, il va pas écouter. Donc les gars, seul, mais c'est pas grave, on va quand même mettre la vidéo. Vous allez écouter sur mon téléphone pourri. Il faut rappeler que c'est lui l'intermédiaire qui a donné ton numéro à Mike. L'intermédiaire, alors écoutez. Elle est sur répondeur. Première tentative. Ouais. Je lui envoie un texto s'il faut. C'est quand même fait. J'ai vu 3 appels manqués. Donc. Message.
Peut-être là, il a peur, parce que, comme il sait que maintenant... Peut-être que maintenant, c'est lui qui enregistre de son côté. Ah, bah, ils peuvent m'enregistrer, il n'y a pas de souci. mais d'ailleurs, s'ils veulent, peuvent même emmener au tribunal, hein, s'ils ont envie. S'ils pensent que... Si, tiens, puisque c'est tous des milliardaires, ils se disent, emmenez-moi au tribunal, merde. Montrer que je suis un menteur et que je suis un imitateur. Parce que là, en fait, les gens, ils pensent que t'as fait de la diffamation. Ouais, justement, on y est, là. Emmenez-moi au tribunal, qu'on rigole, qu'on fasse de la pub. Moi aussi, je vais faire le bad boy avec des menaces, tout ça. Tu sais, j'aimerais bien kiffer, t'es faire le bad boy, tout ça, un petit peu. C'est marrant, aller au tribunal. Si tu veux, t'es sur répondeur. Je lui envoie un message, t'es sur répondeur. D'accord, comme ça, au moins, s'il rappelle, on l'a en direct. Hein? Et donc justement, toi, ça t'a fait quoi que les gens ils prennent l'enregistrement, ils disent que c'est un fake, que c'est inventé? Non, tu sais c'est quoi le problème? C'est que quand t'as 2 millions de Tommy, t'as 2 millions de fans. Et moi forcément, tu sais, tu peux vite mettre plus de commentaires, de ceci, de cela. Mais donc tu vas vite... Créer le doute. Pas créer le doute, mais tu vas vite couillonner les gens, tu vois ce que je veux dire, tu vas vite mettre tout. Mais t'inquiète pas, les gens sont pas cons, ils savent très bien. Les gens qui savent très bien. D'ailleurs. En tout cas, les gens du milieu ont reconnu la voix de Mike. Bah tout le monde connaît. De toute façon, t'as juste tapé sur internet, tu reconnais. Tu vois, tu reconnais. Donc là, j'ai un enregistrement là. J'ai l'enregistrement complet là. Parce que voilà, tu voulais rappeler que c'était qu'un extrait en fait. Oui, c'était juste un extrait. Ça s'est passé comment en fait? Il y avait le traducteur à côté de toi. Exactement. Vous aviez appelé ou c'est lui qui a appelé? Ah, il nous a appelé, donc on lui a dit de nous rappeler le vendredi et puis de nous rappeler le lendemain. On a préparé le matos, on a fait ça à la Patrick Buisson, on a appuyé comme ça et on a laissé monsieur s'exprimer. En fait, t'as anticipé la chose? Bah, bien sûr, parce que j'ai l'habitude avec tous ces mythomanes. Sauf que moi, la mythomanie, moi, il n'y a pas de problème. Mais comme ils ont joué à ce petit jeu avec moi, j'aurais dit, allez, je vais vous montrer une autre petite leçon. Et toi, tu penses que pourquoi ils ont voulu annuler ce combat, en fait? Écoute, moi, c'est ma seule raison pour moi. Je veux vous laisser écouter la vidéo. Parce qu'ils l'ont signé, quand même, le combat. Bien sûr, on l'a signé, bien sûr, depuis le 6 juin. D'ailleurs, tu étais le seul à être, je te l'avais dit, en catimini, j'ai pas attendu de faire du buzz sur Instagram. Si, on a fait sur Instagram notre truc, et puis trop marrant, on m'a appelé un jour, on m'a dit, ouais, tiens, est-ce que tu veux combattre Tel. On m'a appelé, parce que moi, on me connaît dans le monde entier, tu sais, donc on m'appelle pas, on dit, ouais, Tel, tu veux boxer à Tel. L'organisateur, il connaît pas les problèmes qu'il y a eu entre moi et tous ces gens-là. Il m'envoie ce nom-là, je dis, bah tiens, bah ouais, pas de problème. Il envoie ça, mais il sait pas du tout. Donc quand il me signe quand je lui signe le contrat le 6 juin, je lui dis, Bader is happy. Il dit, hein? Je comprends pas. Il dit, ah, c'est notre cousin. Allô? Comment ça va? Mais non, mais c'est pas ça. Tu sais, à un moment donné, comme je dis toujours, faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. Tu vois ce que... Non, mais tu sais quoi, à un moment donné, tu sais, avec tous les antécédents qu'on a eu entre toi et moi, je vais pas revenir sur les 93 euros, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Ah, écoute-moi, on a eu beaucoup de problèmes, toi et moi. Donc, malheureusement, avec tout. Mais oui, mais donc maintenant on est revenu, mais maintenant. Comment? Je savais pas moi qui t'avais dit des trucs comme ça, Mike, moi. Ah bon? Tu savais pas? Mais alors qui est-ce qu'elle aime de... Mais hier tu m'as proposé de signer un contrat le 23 octobre. Là, je te... Bon, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Moi, écoute-moi, toute magouille, écoute-moi, me connaissant un peu. Non, écoute-moi, me connaissant. D'accord, mais écoute-moi, me connaissant. Tu sais très très bien que moi, jamais. Tu te rappelles un jour quand le mec il m'a proposé je sais pas combien pour me coucher en Turquie? Qu'est-ce que je t'ai dit? Va se faire enculer. Non, non, mais tu... Non, mais tu te rappelles, quand on m'a proposé, ouais, Patrice, couche-toi contre le Turc, là, Orhan Doğan, là, il y a 7 ans. Ok, je lui ai dit, va te faire enculer.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, va te faire enculer. Tu m'as dit, ouais, regarde les deux Chinois là, ils t'ont donné. Ouais, ça t'intéresse, gros? J'ai dit, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Hein? Donc maintenant, écoute, quand on me connaît, écoute-moi. Quand. C'est du sérieux, moi. C'est toujours du sérieux. Ce que je te propose, moi, c'est du sérieux. Quand tu dis, moi, j'appelle Amir, j'ai dit à Amir, voilà, il n'y a personne qui. Il te dit, ouais, on voit un certificat, t'es blessé, c'est quoi, c'est une histoire de fou. Je t'ai préparé comme un malade et tout. Ah, ben bah, maintenant, c'est pas. C'est pas ça qu'il a pas à dire. Moi, ce que j'allais dire, je vais dire, Amir, ce combat, tu peux pas le faire. Maintenant, si tu veux faire pousser les deux chez toi, ou un chez toi, ou Patrice, ou qui tu veux, ça ne me dérange pas, moi. Maintenant, moi, ce que j'allais dire à Amir, j'allais venir à Dubaï pour dire, moi, Amir, ce combat, il peut pas se faire. Voilà ce que j'ai dans les mains, voilà ce que j'ai avec Jacques, avec son l'avocat de Badarari. Que moi, je peux récupérer, moi, je vais attaquer Dader, parce qu'il peut voter, mais j'attaque personne, je m'en fous, moi. D'accord, mais écoute-moi bien. Donc moi, écoute-moi bien. L'histoire à 2 francs, moi je m'en tape. Badarari, moi je me suis entraîné 3 mois pour le boxer. Tu vois ce que je veux dire? Donc la date, écoute-moi, j'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié tout ce qui bouge pour ce combat. Donc moi, comment ce mec-là, écoute-moi bien. Comment ce mec-là il me propose de l'argent pour rester chez moi, je reste pas chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi maintenant, si j'avais... Non mais écoute, je t'en rends, écoute. Je lui dis que moi c'est dommagerait Patrice. J'ai une nuit de quoi il se met en disant ouais, je vais te dédommager. Oui d'accord, mais toi tu vas me dédommager. Non mais là quand il disait que lui il va me dédommager, il savait bien que c'est toi qui devais me dédommager pour ne pas aller boxer. D'accord? Oui, mais c'est moi qui dois te dédommager. D'accord, mais moi, il était hors de question de me donner de l'argent pour ne pas aller boxer. C'est bien ce que je te dis, hors de question. J'ai pas compris ce que tu as dit. Je t'ai dit que moi, il était hors de question que moi... Je donne mon cul. Il était hors de question que je simule une blessure ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucune, mais il était hors de question que tu simules une blessure. Ah ben, excuse-moi, j'ai enregistré aussi. Si tu veux, je te renvoie et tu vas écouter. Je vais te refaire écouter ce que tu as dit. D'accord? Alors maintenant, écoute-moi. Parce que, Kader, refrain, on se connaît depuis des années maintenant. Je te connais par cœur maintenant. Kader, et comme je te connais par cœur, écoute-moi ce que j'ai fait. Ah, Dubaï, c'est Dubaï, hein. Dubaï, c'est Dubaï, hein. Il n'y a rien à gagner là-bas, tu verras pas c'est proposé, il y a personne qui avance et tout, qui propose quoi que ce soit là-bas. Ah, ben en France, on m'a pas proposé grand-chose non plus, hein. En France, il n'y a rien, il y a des clochards en France, Patrice. Ah, ben à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Ben à toi. Attends, Patrice, c'est qui t'a fait, qui t'a avancé, qui tout ça, qui a essayé d'avancer avec toi dans le meilleur des délais? Ah, ça c'est vrai, on a travaillé ensemble en cette période jusqu'à ce que tu me doives... Jusqu'à... Non. Sinon, t'as des nouvelles de Mike? Et en plus, au jour d'aujourd'hui, voilà, regarde le K1, il en est. Ah ben, mais fuck, de toute façon, le K1, comme je t'avais dit. Mais fuck, mais de toute façon, je t'ai dit, je signe pas de contrat avec les gens, moi. En fait, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient? Et Mike, il a vu la vidéo ou pas? Mike. Ouais, j'ai envoyé, il m'a dit c'est quoi ce canard? Il croit que c'est moi qui ai fait un coup. Ah, il croit que c'est toi? Ouais. Ah, il croit que tu as fait un piège. Ah, je vais lui dire c'est toi. Ah, je vais foutre la merde. Non, je vais pas faire ça, canard, je te fous pas dans la merde. Non, je m'en fous. Non, mais... Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, c'est une malade mentale, ce mec. Ah, mais... Mais attends, mais je suis un spécialiste, tu m'avais déjà dit, tu te rappelles ce que j'avais fait à mon tonton, à tonton. Tu te rappelles Pascal Iglicky? Tu te rappelles de Pascal Iglicky qui avait son magazine de merde, là, qu'on retrouve? Voilà. Mais Pascal Iglicky, mais parce qu'il avait utilisé la même méthode. C'est pas que je suis un fou, hein, en fait, Kader. C'est qu'à l'époque... Mais Kader, c'est comme Pascal Iglicky. Pendant des années, tu sais ce qu'ils ont fait croire aux gens?
Ils ont fait croire que dans les magazines, que Patrice Carteron, à partir du moment où ils ont commencé à vouloir me boycotter, ils voulaient me faire passer pour un mec qui n'existe pas. Et après, ils me demandent, quand ils voient que des années plus tard, j'arrive à m'en sortir grâce au hip-hop, grâce à tous les gens que je connais, des banlieusards, etc., et que je commence à me faire ma pub par moi-même, ils me rappellent pour être dans leur magazine. Mais moi, je suis pas leur négro de service, moi. Donc, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai dit d'aller se faire enculer. Mais comme je le disais, mais que tout le monde croyait, eux, en gros, comme ils avaient leur truc, les gens ils disaient, ouais, Patrice, en vérité, il est gris, il rêve d'être dans leur magazine. Alors, j'ai fait cette vidéo à l'époque. Allô Pascal, va te faire enculer. Oui, mais la vérité, on le sait, toi et moi, mais les gens ne le savaient pas. Donc maintenant, j'ai dit, il faut que je remue. Ben, à l'époque, c'est ce que je te dis, j'allais même plus loin. Ça veut dire que j'en avais rien à foutre d'un tel. Alors, si j'en avais rien à foutre de... Le but était de gagner de l'argent, je sais comment tu voyais les choses. Je vois toujours la même manière. C'était le même but que je vois les mêmes choses que toi, moi. Ben oui, je vais essayer de m'en sortir avec ma famille. Le reste, je m'en bats les couilles. Non mais Mike, il est pas sérieux quand même. Il croit pas qu'il allait me donner un petit peu d'argent et j'allais refuser d'aller à Dubaï. Attends. Oui. Ouais, il me dit c'est bizarre, tu me dis de l'appeler et je suis enregistré. Même moi, il m'a enregistré. Je dis, c'est encore de rien, c'est ce que je te dis. Attends, il y a madame qui m'appelle, je suis dans la merde. Attends, je te rappelle dans 5 minutes, tu connais ma femme. Vas-y. Donc tu as pu constater, j'espère qu'on entend, on entendra. Non, on entend. On entend très bien, bon ben, ça c'est juste un petit truc. Hein. Bon, après, moi, donc il faut rappeler que c'est l'intermédiaire. Entre Mike et toi. Voilà, ça c'est l'intermédiaire, c'est celui qui voulait organiser des événements avec moi et que je lui dis, il y a depuis 2009, va te faire foutre. Tu vois? Va te faire foutre. Mais le problème, un va te faire foutre underground n'a jamais autant de va te faire foutre qu'un va te faire foutre public. Parce que eux, avec la puissance qu'ils avaient à l'époque, moi j'étais un ouvrier devant des industriels. D'accord? Alors, eux, c'était la force de leur pouvoir, etc., avec les médias, etc. Moi, quand je parlais, de toute façon, c'était la voix d'une fourmi, donc ça ne servait à rien. Tu vois? Donc les mecs, ils se sont donnés à cœur joie à me faire passer pour je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Moi, je te l'ai déjà dit, j'ai pas de carence affective. D'accord? Je n'ai pas de carence, ce genre de situation m'arrivera tous les jours. Je suis le mal-aimé. Quoi que je fasse, ça sera critiqué. Quoi que je dise, les gens ont deux. Je l'ai fait avec, maintenant je sais comment ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et donc t'es obligé d'utiliser ces méthodes-là. Exactement. Donc à un moment donné, quand tu te retrouves avec face à des mythomanes, face à des menteurs, face à des voleurs, face à des escrocs, il va falloir à un moment donné qu'ils respectent un peu les gens. Tu vois? Je suis désolé de froisser, entre parenthèses, pas la communauté, parce que vous croyez que, parce que ceux qui croient que tous les Marocains sont des rabats, la plupart des gens qui me disaient des choses sur votre vedette, ce sont des Marocains, d'accord? C'est pour ça que moi, comme j'ai dit toujours, arrêtez votre mythomanie. Moi, je sais que tout le monde m'aime pas, c'est comme ça, mais toi, t'es pas aimé par tout le monde. Oh, ça, je te le confirme. Et vous tous, là, arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez avec vos voitures en location. Arrêtez avec votre vie de mythomane. Arrêtez avec vos trucs de connard. Arrêtez de faire style. Moi aussi, j'ai des amis qui font des voitures, des ceci, cela. On s'en fout de tout ça. Concrètement, là, tu vis où? Tu fais quoi? T'habites où, connard? Moi, c'est ça que je te demande, connard. Bande de connards que vous êtes. En fait, tu veux dire qu'on met plus la vie privée en avant que la vie sportive? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils s'inventent tous des vies, quoi. Voilà, au lieu de montrer le vrai côté du sport, ils mettent plus... Ils font du phase. Moi, je rigole, je fais des parodies. Comme on dit, j'ai un ego surdimensionné. Quand je monte sur le ring, je suis le boss. Et tu me dis que t'as le diplôme fouteur de merde. Voilà, j'ai un diplôme de fouteur de merde, voilà, j'ai le bac. Et vous m'appelez pour le truc, vous me prenez pour quoi? Vous me prenez pour un singe? Un pauvre connard de Renoir, vous pouvez dire n'importe quoi. Vous osez, vous permettez. Sous prétexte, me sert aussi de cette... Combien de fois, nous, tu sais bien toi-même, quand on met le masque du gentil rebeu, du gentil Renoir, qui fait les gens nous prennent pour des cons. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise. J'utilise cette méthode tous les jours. Je me fais passer pour plus con que je ne suis. Je le fais tout le temps. Mais regarde derrière, connard. Et à chaque fois, vous tombez dans le temps, parce que c'est plus fort que vous, vous avez un complexe de supériorité, vous pensez plus malin, vous faites des clichés, tout ça. Alors que ça marche pas comme ça, le monde. Il faut se méfier de tout le monde, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et le but de cette vidéo, c'était tout simplement, tu vas pas t'esquiver, que le meilleur gagne, et c'est moi le meilleur. Et maintenant, tu vas voir si moi je rigole, si moi j'ai peur de quelqu'un, si moi ceci, parce que tout ça, c'est du paratin. Et parce que les gens annoncent comme le combat de l'année. Ouais.
Mais, qui sera décisif. C'est ce que je t'ai dit. Pas décisif. C'est un combat. Maintenant, toi et moi, il va falloir prendre sa paire de couilles, sa paire de baloches. Et moi, t'inquiète pas, je t'ai toujours bien accroché. Et que je gagne ou que je perde dans la vie, j'assume totalement ce que je fais. Je ne suis pas une vedette absolue. Quand moi je perds un combat, c'est diffusé en 50 exemplaires. En fait, t'as l'impression que j'ai gagné 50 fois, j'ai perdu 50 fois. Mais c'est toujours le même combat. Par contre, quand vous perdez, vous, hop, c'est comme si... J'avais même dit que certains étaient invincibles. Mais tu plaisantes ou quoi? Tu as combien de défaites? J'en ai combien? Une fois, faut qu'on t'appelait pas Maref. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et puis, entre les combats truqués, etc., etc. Mais arrêtez, s'il vous plaît, messieurs. Ne me faites pas ça à moi. Ne me prenez pas pour ces connards. Je suis un organisateur d'événements. Ne l'oubliez pas. Je suis peut-être noir. Je suis peut-être en train de rigoler comme je vous donne l'image, mais à la base, je suis un boxeur, je suis un organisateur et je suis indépendant. Je ne suis pas le pauvre con que vous avez pu imaginer. J'ai joué au pauvre con parce que c'est comme ça que ça marche avec vous. Plus tu joues le con, plus vous, moins tu parles, plus tu as d'informations. C'est pour cela qu'on m'entend à peine parler, parce que je vous laisse vous exprimer, parce que vous êtes tellement con. Vous êtes tellement con. Mais con de chez con, que vous êtes rentré, vous avez, comme tu l'as dit, vous entendiez des bruits partout, tu t'es dit, tiens, peut-être c'est une écoute, mais tu dis, non, ce Carteron, il est pas assez intelligent pour ça. Une belle quenelle. Ouais, exactement ça. La quenelle, 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 la quenelle. Donc là, on t'entendra plus jusqu'au 16, j'imagine. Non, j'ai plus le temps. Là, je vais commencer à me préparer tranquillement. Je continue à m'entraîner sauvagement. J'ai fait tout pour que mon frère ne puisse pas s'esquiver. Maintenant, je sais que t'as la haine. Je sais que ce combat, il va se faire. Je sais que... Et s'il n'est pas la joie du combat? Non, il n'a pas le choix. Là, c'est l'archuma.com. Là. Je te fais le site. Là je le monte hein, avec mes propres derniers. T'as vu? Même là, même en arabe. L'archuma.com. Pur site, mais t'es comme le bon coin. Tous ceux qui se foutent la honte, je te vois. Il n'y a pas de honte à perdre ou gagner. Par contre, refuser, c'est l'archemin. D'accord? Alors, toi et moi, on va se taper. Parce qu'on est des hommes. Parce que à un moment donné, il faut assumer tout ce qu'on fait. Et que moi, j'assume totalement mes propos, mes actes depuis 2004. Depuis que je boxe. Depuis que je combats, j'ai toujours assumé. Gagnant, perdant, défaite, je ne changerai pas de façon de vivre. Je suis pareil, je resterai le même. Je n'ai peur de personne. Je vous emmerde tous. Que je gagne ou que je perde, la vie est là. Je sais que je serai jamais une superstar au pays des droits de l'homme, parce que malheureusement, certaines personnes nous mettent le plafond de verre, disent que on est français quand ça les arrange, mais je mets pas tout le monde dans le même panier. Parce que heureusement qu'il y a mes frères de toutes les couleurs qui sont là, les Benetton, qui m'aident tous les jours. Et qui n'ont strictement rien à foutre que je sois noir, qui sont même choqués. Mais je leur dis malheureusement, je vous jure que c'est vrai. Nous, on est dans notre matrice, on se rend pas compte, on se rend des services, on est toujours ensemble, on mange des plats, là tu me fais le truc, etc. On se rend pas compte, on est dans le délire. Mais quand tu sors de ta matrice, c'est comme qu'on était en cours. On était entre nous, Renoir, l'autre il avait le truc, on s'en foutait, c'était la cité contre l'autre, on calculait pas la communauté d'un tel, un tel. Mais quand tu sors de là-dedans, que tu arrives dans la vraie vie, tu vois, que tu sors de ton carcan, de ta vraie vie, etc., tu vois vraiment d'autres sortes de fils de pute qui peuvent te gâcher, qui peuvent te gâcher. Mais ça me gâchera pas parce que. Quoi qu'il arrive, je resterai sur la même longueur. Mes copains s'appelleront toujours de la même manière. Je vais dans des salles où il y a des juifs. Je vais dans des salles où il y a des arabes. Je vais dans des salles où il y a des noirs. Je vais dans des salles où il y a des blancs. Je vais je sais pas où. Et j'en ai rien à foutre de tous, bande de fils de pute, de sales racistes. Que vous soyez de toutes les couleurs, je vous encule tous. Écoutez-moi bien. Et comme j'ai dit toujours, j'ai encore la preuve. Nique sa mère communautarisme. D'accord? Tous ceux qui font ça, shame on you. Shame on you. Vous avez... J'ai pas de mots pour décrire le mépris que j'ai pour vous. Il y a aussi une question que je voulais te poser. Sur la dernière vidéo, il y avait écrit merci Booba. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui pourquoi le merci Booba en fait? Parce que merci Booba pour une seule et simple raison. Parce que quand j'ai vu justement cette histoire là de boxeur contre rappeur, que l'autre il a voulu absolument. Il se permettait. Comme si c'était chez lui ici. Ici c'est chez moi mon pote, je suis français. Tu dis ouais, je vais taper lui, je vais taper l'autre. Mais t'es qui toi? T'en prends un chanteur? C'est pas un chanteur, faut s'en prendre un boxeur. Et moi, je t'attends. Moi, je t'attends. Parce que t'as pas voulu faire de buzz, tatati, moi, je vais t'en montrer. Et donc, le message était exclusivement pour lui. Pour lui faire comprendre. Et heureusement qu'il y a eu cette petite altercation
qui m'a fait bien rire. Je dis tiens, bah tiens. Et après, ils étaient tous contents. Hein, regarde, il a fermé sa gueule. Mais ça veut dire quoi ça? Il a fermé sa gueule de quoi? Il y a peur, c'est pas parce que t'es plus fort que moi sur un ring que je fermerai ma gueule, hein, tu sais. Hein, ça veut dire quoi ces conneries hein? Donc, c'est quoi ça? C'est comme des gens qui me posaient des questions. Est-ce que t'es plus fort que Bouba? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il fait pas le même métier que moi. Tu vois que des fois qu'il disait, tu me disais des questions comme ça, j'avais envie de leur mettre une tarte, il me ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lui, il est plus fort que moi, lui, il gagne des millions. Lui. Ah ouais, si on parle de ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait des trucs, alors on est plus fort dans certains domaines, mais dans d'autres, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, vos jugements de valeur, etc. C'est la cour de récréation, quoi. Ouais, c'est la cour de récréation, les trucs de tocard, etc. C'est vraiment des trucs de Tommy. Moi, chaque fois, j'essaie de m'adapter aux questions à la con de certains. Tu me dis, mais qu'est-ce qui... Mais tu fais de moins en moins d'interviews, j'ai remarqué. Hein. Bah ouais, parce que je prends des gens intelligents, malheureusement. Non, parce que t'écoutes à un moment donné. Il y en a qui écoutent pas. Il y en a qui écoutent pas et qui sont dans leur truc. Tu vois? Et donc, c'est pour ça. Et donc, moi, je... Ils ont peut-être le flow du communautarisme aussi, hein. Ah ouais, ça c'est clair, ils sont dans leur pauvre délire de Renoir, de ceci, de cela. Mais après, même d'ailleurs, ils enculent leur propre pote des fois. Tu vois, tous ces gens-là, tu tires pareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu me fatigues. Parce que tu parles avec eux. Mais tu sens certains, et après tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Que Rof c'est un bidon, que truc c'est un bidon, que Booba c'est un tocard, que l'autre, que c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça la vie. Attends, il y a encore Focu qui m'appelle. Allô? Alors, dis-moi. Tu veux qu'on repousse le combat encore? Mais écoute-moi bien. Pourquoi? Je vais repousser, ouais. D'accord, vas-y. Donc, attends, mais là, tu vois pas, je vais me foutre la honte là, devant tout mon public. T'imagines? C'est moi qui vais parler, ça n'a rien à voir. On fait même une vidéo, si tu veux. Mais attends, tu te rends compte? Je vais dire devant tout mon public que je veux pas boxer, que je veux pas boxer Badr Hari. Tu veux pas boxer, tu dis pas ça, toi, mais t'as pas du tout. D'accord, je te... Mais attends, mais les gens ils savent que. Regarde, les gens ils savent que plusieurs. Mais attends, mais les gens on s'est embrouillé publiquement des milliards de fois, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux que les gens vous disent? Attends, là, comme par hasard. Ouais, c'est vrai. Non, mais après ils vont dire, attends, Patrice, comme par hasard, à deux jours du combat, il annule le combat pour aller chez Kadir. C'est Kadir qui annule le combat. Mais attends, tu crois que les gens ils vont accepter ça? Bon, eh ben écoute-moi bien, moi, je réfléchis, je me donne le temps encore ce soir, je réfléchis, dis-moi quoi, dis-moi, attends, mais combien pour que je vienne pas, combien? Combien? Ouais, combien pour que j'aille pas combattre? Ben moi je te donne le double de ce que tu proposes. Le double? Ouais. D'accord, je t'emmènerai mon contrat, je t'envoie mon contrat tout à l'heure, vas-y, okay. À tout à l'heure, envoie-moi, à tout à l'heure, ok, envoie-moi le double, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Attends, c'est pas comme ça, Patrick, arrête de dire, on va mal tout, je vais t'expliquer. Moi, je te paye pour le combat, ouais. Pour ton prochain combat, je te paye le double de ce qu'ils vont proposer. D'accord, eh ben, je te montrerai ce qu'ils vont proposer. D'accord. Et c'est dommage aussi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ce serait donner mon cul que deux jours avant un combat. Mais tu sais quoi, je réfléchis, peut-être que j'ai envie de donner mon cul quand même. Après trois mois d'embrouille, à quelques jours du combat, Patrice, il a mal au dos. Mais non, mais parce que c'est plus crédible avec ce qui s'est passé. Mais c'est ce que j'aurais dû faire quand vous m'avez dit, faire le papier. Mais maintenant, c'était plus crédible. C'est clair que maintenant, je peux plus dire ça. Maintenant, c'est cramé. Donc, on va dire, allez, maintenant, c'est bon, c'est annulé à 9 jours du combat. Je respecte ni les organisateurs qui m'ont fait signer un contrat et qui ont payé 4 billets d'avion et que ceci, cela. Je ne respecte personne. Il y a des rien, il y a des principes quand même. Attends, écoute-moi, Patrice. C'est pas prêt. Machin, t'es prêt, t'es archi prêt. Patrice, il est prêt. Patrice, machin. Rien, ce combat, il se prend pas parce que voilà. J'ai décidé qu'avec Badr Hari, son combat, qui me doit. Et qu'est-ce qu'il en pense, Badr? Et Badr, lui, il va aller boxer là-bas et moi, je reste chez moi, c'est ça? Non, il va boxer nulle part, Patrice. Badr, il va pas boxer là-bas.
Bon, ben, on verra. Ben, écoute-moi, on verra. Bon, ben, j'ai réfléchi et puis on verra ça. Vas-y, c'est bon, on verra ça. Vas-y, je raccroche, t'as dû me faire embrouiller. Vas-y, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, comme on dit toujours, c'est encore une tentative de soudoiement. Je sais pas comment vous appelez ça, de me faire passer pour encore de trucs. En plus, encore, on insulte encore mon intelligence. Mais ça, jusqu'au bout. Hein, donc là, jusqu'au... encore une fois. Hein. Mais non, mais c'est à l'œil. Tu sais quoi, tous les jours, c'est comme ça avec moi, tous les jours. Donc voilà, je voulais juste vous faire ça avant mon départ. Hein. Donc, n'oubliez pas, il n'y a qu'un seul carteron, pas de baratin. Ta-t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 a-